Québec a retrouvé 4 nouvelles victimes vendredi, portant à 28 le nombre total de corps retrouvés dans la zone rouge du centre-ville de Lac-Mégantic. La SQ a également confirmé avoir identifié 7 nouvelles victimes, portant ce total à 8. Par ailleurs, à mesure que les enquêteurs progressent sur la scène de ce terrible accident, eh bien les émanations toxiques deviennent un plus gros problème. Aujourd'hui, les autorités ont dû changer leur stratégie parce que les taux de contamination étaient trop élevés. Nous avons donc dû revoir notre stratégie et se déployer à d'autres endroits conséquemment. Il faut comprendre que les sols sont souillés de pétrole à certains endroits, ce qui nous empêche d'expertiser celle-ci. Et conséquemment, on a dû déplacer certains terrains de recherche.